Mistral FM TV avec Varmatin. Alors, l'association Étoile Bleue est née suite au tragique drame du 17 juin 2012 où deux collègues et amis de la brigade de gendarmerie de Pierrefeu ont perdu la vie sur une intervention à Colobrière. Il s'agissait de Audrey Berthaud et de Alicia Champlon. Suite à ce drame, on a eu beaucoup d'élan de générosité qui sont venus un petit peu de toute la France. On a souhaité aider les deux familles d'Audrey et d'Alicia et donc on a été obligé de créer l'association Étoile Bleue. Cette association, donc, dans un premier temps, aider ces deux familles. Et depuis janvier 2013, on aide les orphelins de la gendarmerie en organisant des événements sportifs et divers choses sur le plan national. Le 22 juin, 7e édition de la foulée des Étoiles Bleues. Alors, au départ, c'est parti d'une collègue gendarme qui était major dans les Bouches-du-Rhône, qui a voulu créer cet événement en mémoire donc d'Audrey et d'Alicia. Et depuis, ben, c'est voilà, 7e édition, ça passe. Et toujours beaucoup de monde et toujours une course qui est appréciée, puisque Pierrefeu du Var a des très très belles collines et vraiment un très très beau paysage. Donc, les gens viennent pour soutenir notre cause. En hommage, et puis après on a les grands sportifs qui eux sont là pour faire du vrai sport. Oui, tout à fait, on a voulu avoir un parcours un peu plus accessible à tout le monde, donc qui fait 6 km qu'on peut parcourir en courant ou en marchant. Donc là c'est assez facile, c'est dans la nature, c'est super agréable. Et un parcours un peu plus compliqué, un peu plus pour des coureurs entraînés on va dire, qui fait 13 km. Et le parcours de 13 km on peut le faire à 19h, donc de jour, mais aussi on peut le faire à 22h de nuit à la frontale. Donc on a un peu les deux formats, chacun fait un peu comme il lui semble, mais c'est aussi sympa de pouvoir courir la nuit, avoir un paysage dans la nature, et de voir les illuminations en revenant sur Pierrefeu. Bien sûr, on peut s'inscrire donc sur le site de l'association, donc en allant directement sur le site associationétoilebleue.fr, sur la page Facebook de l'association. Je crois que Mistral FM aussi a un lien aussi pour s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire aussi jusqu'au dernier jour. Le jour même, on prendra aussi des inscriptions. Donc n'hésitez pas, venez nombreux.